Salut les amis! Ouais, bon, alors, j'ai décidé de faire une série de vidéos portant sur mon voyage en Chine, dont celle-ci. Alors, je suis en train de recadrer en même temps. Alors, je suis dans ma nouvelle chambre aussi et je suis surexposée. Ça, c'est assez génial. Voilà. Du coup, je suis toute blanche, mais c'est pas grave. Alors. Je suis arrivée ce matin du coup sur Paris, voilà. Et je me suis dit que ça serait trop bien que je vous montre ce que j'ai acheté en Chine parce que j'ai quand même acheté plein de babioles. Alors, bon, il y a juste un paquet de gâteaux qui trône là, que je tenais à montrer parce que en fait là-bas, ils ont plein de goûts de bouffe différents et ça, je sais plus ce que c'était. C'était pomme cranberry, c'était tellement bon. Il y a 4 paquets dedans, mais bon, c'est pas grave. J'ai goûté ça, c'était trop bien, je l'ai fini à l'aéroport hier. Et en fait, je me rends compte que dans un voyage, on n'a jamais assez de thunes. Voilà, j'ai acheté des trucs comme ça pour goûter, c'est des chips aux fruits. Je ne sais absolument pas ce que ça a donné, je pense que ça devrait pas être trop dégueu. Par contre, là, ce truc... Je sais pas, j'ai craqué, je me suis dit que j'allais goûter un truc bizarre. C'est des algues et normalement c'est fait pour faire les sushis. Donc je ne compte pas faire de sushis évidemment. Hein. Mais je vais goûter ce que ça donne avec les. Je vais dire les pâtes. Oh le jet lag. Ce que ça donne avec les algues. Ouais, ça ressemble aux pâtes. Tout le lapsus. Hop, la poche. Ensuite, là j'ai une boîte de gâteaux, de petits gâteaux. On s'est retrouvé dans une boutique avec une pote avec du thé, des gâteaux, des trucs. Et du coup, j'ai acheté ça pour mon père originalement. Et en fait, on a mélangé, ça se présente un peu comme ça. On a mélangé deux sortes de gâteaux, on a acheté deux boîtes. On a mis chocolat et cranberry, je crois, un truc comme ça. Et la boîte est sympa, mais ils me l'ont un peu défoncé dans le transport. Mais c'est pas grave. Et du coup, je parlais du thé, donc... À cette même boutique, j'ai acheté, je crois, 2 bidules de thé. C'est trop trop bon ces trucs. On a goûté, en fait, c'est genre, on fait chauffer de l'eau. Et bah, en fait, c'est un peu comme du thé normal. C'est juste que là, c'est con, hein, c'est exactement la même chose. Mais c'est juste que là, si vous voyez, il y a plein de petits morceaux. Et du coup, on met ça dans une boule à thé, un truc comme ça. Et c'est super bon. C'est trop trop bon. J'ai ça. Ah oui, j'ai encore un autre truc de thé. Hein. Mais je ne l'ai pas acheté au même endroit. Je crois que je l'ai acheté au Carrefour. Hein, un truc comme ça, ridicule. La même. Parce que je compte offrir ça à ma mère. Et du coup, je vais garder 2 autres pots. Et je vais lui offrir un autre truc. C'est du thé séché, pareil. J'aime trop comment c'est dessiné. Je tiens à dire que les Chinois, ils font des packagings de malade à chaque fois. C'est un truc de ouf. J'ai acheté des pâtes. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais les manger. Mais voilà, c'est mieux ça que 1 kilo de riz parce que je vous mens pas, ils vendent des kilos de riz là-bas. Et je pense que je ferai ça en bouillon, un truc comme ça, le jour où j'aurai rien à manger. Ah, j'ai oublié un autre truc. Bon, j'ai acheté ça. Ça, pour les sportifs, c'est génial. C'est des patchs de baume du tigre parce que je voulais trouver une... Les pots, vous savez, comme ça, qui font cette taille rouge et qui sont vraiment en stock. Sauf qu'en fait, là-bas, je crois qu'ils en vendent pas. Du coup, je me suis rabattue sur ça. Ça m'a coûté 20 yuan les 3. Donc, il faut diviser par 7,5 pour trouver en euros. Donc, ça fait un truc assez ridicule, je pense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit savon que notre prof nous a offert. Je sais pas du tout ce que ça va donner, d'ailleurs. Du coup, je l'ai pas acheté. On me l'a offert, celui-là. Ça, oh oui, c'est trop bien. Ça, c'est le t-shirt de la troupe. Alors, du coup, tchac, tchac, tchac. Ah oui, ils l'ont bien emballé et tout. Et moi, je vais tout destroy. Hop. Tadam, le t-shirt est plus grand que moi, mais tout va bien. Je sais même pas ce que vous voyez. Parce que... Voilà, avec un petit équilibriste au milieu. Et le truc derrière. Et on voit à l'envers. Je n'avais pas prévu ça. Il y a écrit... Acrobatic Troop of Tianjin China. Voilà. Voilà, voilà. Je vais d'ailleurs bien mal le replier. J'ai ça. Ça, j'ai pas acheté non plus. En fait, on est allé se faire masser toutes les semaines, tous les mercredis. Et 1h30, je crois, un truc comme ça. Et les mecs, à la fin, ils nous donnaient des bas gratuits.
Et je les garde parce que je suis toujours en galère de bas. Donc je me dis, bon, ça servira sûrement un jour. Et attention, la mascotte de ce voyage. Tadam. Bon, en vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai acheté ces trucs. Non, alors j'ai acheté ce truc à la base parce que je l'ai vu dans une boutique, je le trouvais trop trop mignon. Et je me suis dit par grande logique que j'allais l'offrir à ma sœur. Sauf que pour la petite anecdote, j'ai dormi avec pendant 3 semaines et ma coloc d'ailleurs m'a dit qu'elle était trop triste en fait de voir que j'allais devoir le donner à ma sœur. Alors que, autant le dire, je kiffe tellement les peluches, voilà. Et bah du coup elle m'en a acheté un autre. Du coup j'ai choisi celui-là, je le préfère au final et je vais laisser celui-là à ma petite sœur. Du coup, comment dire qu'à l'aéroport Charles de Gaulle, on voyait une meuf se trimballer avec 2 peluches qui pendouillaient comme ça. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. J'ai 20 ans et j'aime les peluches, voilà. Je l'ai gardée parce qu'elle est trop trop jolie, c'était la poche du thé. Thé fait maison, j'aime tellement les kanji. Et pour ceux qui savaient que j'avais appris le japonais il y a quelques années, faudrait trop que je m'y remette. Parce que je me suis aperçue que les kanji du Japon étaient les mêmes en Chine et que potentiellement j'aurais pu comprendre des trucs. Ça, c'est the best. Alors, je vais enlever la... Parce que c'est ça, hein. Mais il faut que j'enlève la feuille du dessus. Voilà. Je suis diplômée, les gars. Voilà. C'est trop cool. Et pareil, on voit tout à l'envers. Il y a écrit mon prénom avec écrit en anglais. Certificate of Completion of Sino-French Art Exchange. Franchement, ils se sont donnés, quoi. Et en dessous, il y a écrit Acrobatic Troop of Tianjin China et la date. Et voilà, et c'est pour dire qu'en gros, on n'a pas rien foutu pendant 3 semaines. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de le plier, mais normalement, ça peut se plier. Et du coup, il y a un petit signe écrit, je trouve ça trop stylé. Et je pense que quand je retrouverai ma pâte à fixe, je le mettrai sur le mur. Voilà, du coup, ça plus le t-shirt, franchement, c'est trop pépite. Et je vais vous bouger en fait. Je vais. Hop. Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais plus. Je l'avais il y a 30 secondes et je sais plus où je l'ai foutu. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est trop joli. Voilà. La preuve d'équilibre trop sympa qu'il nous offre. Vous allez rien voir. Un truc genre comme ça. Je vais le reposer. Mais en fait, je voulais vous montrer, j'ai trouvé des petits trucs Bob du Tigre que je sais plus où j'ai mis non plus parce que je fais un peu de la merde depuis tout à l'heure. Je sais plus où ils sont. Ah si, c'est bon, je viens de me rappeler. Ils sont dans la poche. Voilà. Alors, à défaut d'avoir trouvé du grand baume du tigre, à la base il y en avait, là il y en a 4, il y en avait 5, mais je me suis retrouvée à avoir mal à l'épaule, mais un truc de bien, et du coup je l'ai totalement démonté le premier. Et du coup, ceux-là, je pense que je vais me les garder parce que je pense être celle qui en a le plus besoin. Est-ce que j'ai tout montré là? Je sais pas. Ouais, j'ai ramené. Et après, j'ai ramené des fringues, mais ben, j'ai fait tourner une machine, du coup, voilà, elles sont dedans. Mais, oh non, j'ai oublié la moitié de mes fringues. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Là, je reste pour 2 jours sur Paris, je repars après-demain, après-midi dans le sud encore. Et voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à me poser dans ma vie. Mais là, pour cet été, c'était un peu des allers-retours. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette petite, ce petit unboxing parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent là. Et je vous dirai, si vous voulez savoir si c'était bon certains trucs, je vous dirai si ça valait le coup ou pas. Et sinon, je voudrais bien que vous me disiez si vous êtes intéressé par un ask sur mon voyage. Et du coup, comme ça, vous pouvez poser un peu toutes les questions que vous voulez. Parce que le truc, c'est que je compte poster des vidéos, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de tout raconter, en fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un ask sur mon voyage en Chine, vous me le dites. Et moi, je vous fais ça dans la foulée. Voilà, de gros bisous. Ciao, ciao.